Chers tous, rebonjour Cash, la suite. Et on va vers la fin de cette visite ici sur les lieux du drame. Il y a plusieurs sites, hein. Mais si on peut rappeler en dehors de derrière le marché banane où on se trouve. Et à Kolengoum, par derrière. Oui. Évasion Bagdad en face. En face. Le PK7 et la cité de la caisse. Ouais. Voilà les trois sites, les trois ou quatre sites. Dans lesquels on a identifié les 150 familles. On revient et les gens habitent là. Les Gabonais qui habitent là. Ben ici, le chantier est à l'arrêt parce que c'est dangereux. Et donc, nous, on va faire comme ça. Il y a les Gabonais qui vont à leur lieu de travail. Il y a les élèves qui vont à l'école. Ça c'est abandonné. Tu vois l'eau qui vient sous terre, ouais. En permanence. C'est habité, il y a des enfants. Ouais. Donc le danger. Et même l'émetteur, ouais, court un risque. Oui, de Kolengoum au PK7. Il y a les quatre, surtout le pylône en face là. Ouais. Et le pylône, la SEG, la haute tension là. Ah. Si nous allons là-bas, ça a créé un trou. Hein. Vous allez voir le pylône en face là, ouais, de la haute tension. Ouais. Donc ici, le danger que courent les populations, c'est que si ce pylône dégringole... Ah bon, il y a de l'érosion autour. Il y a l'érosion autour. Ouais. Bon, on va voir le danger de ce pylône, voilà, voilà, et l'urgence de déplacer toutes ces familles gamines. Toutes ces personnes-là. Ouais. Bon, ici encore, je peux descendre, mais l'autre côté, c'était risqué. Alors... Il serait souhaitable, vous mes frères et sœurs, à la fin de la journée, même si on ne se comprend pas, que vous fassiez des lives pour aider les Gabonais et les Gabonaises qui sont ici. Faisons et servons-nous des réseaux sociaux pour faire bouger les lignes positivement. En dehors des débats sur ou des querelles sur les personnes, ceux qui veulent se positionner politiquement. Quand je dis que certaines personnes sont un danger pour notre vivre ensemble, parce que j'ai des dossiers. Je suis passé par là avant. J'étais ici en 2022. Et je sais de quoi je parle. Je reviens ici pour faire constater au CTRI que la restauration de la dignité des Gabonais, c'est ici aussi. Et il faut qu'on aille vite. Les saisons de pluie ont commencé. Je viens ici, on ne me découvre pas aujourd'hui. Non. Je ne fais pas ça pour le buzz, non. Je viens ici parce que j'avais l'habitude de venir ici, à mes risques et périls. Et au moment où moi je suis fonctionnaire, on me censure, on m'interdit de passer à la télé parce que je parle de ça. On ne m'a pas interdit de passer à la télé ou comme certains pensent, que parce que je ne sais pas, bon. Je ne faisais pas une émission de variété, je ne venais pas ici pour qu'on parle du Ndombolo, non. C'est parce qu'ils ne voulaient pas que je montre ça, eux qui avaient promis aux Gabonais qu'on va vous déloger d'ici, pour vous amener ailleurs. Donc le fameux mégaphone de la cacophonie, d'où je l'appelle mégaphone de la cacophonie, il savait que si Moukouama Chamberlain continue son émission, j'allais leur rappeler que mais les 150 maisons et familles que vous devez déloger, les maisons sont où? Alors Moukouama, il faut le censurer, il ne faut plus qu'il passe à la télé. Mais comme le cerveau s'est fait aussi pour réfléchir, j'ai créé Cash grâce à mon téléphone. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Ceux qui ne le comprennent pas, jeudi, demain c'est dimanche, évitez de vous réjouir du malheur des autres ou à justifier l'injustifiable quand les autres sont en malheur. Ici, les gens sont en malheur. Il ne faut pas que ça vous arrive. Parce que le jour où ça va vous arriver, les autres vont rire de votre malheur. Alors, pour ne pas rire de votre malheur, soyons ensemble solidaires et être Gabonais, ce n'est pas simplement sur le papier. Si les militaires sont venus et qu'ils sont en train de travailler, qu'ils se concentrent à travailler à peine un an. Mais enfin, on écrit des livres pour raconter quoi? Voici ceux qui sont venus voir les Gabonais et on dit on va vous loger. Entre la promesse et l'élection, ils ont tenu un dialogue. Je vous pose toujours la question. Parce que si je donne un montant, vous allez dire j'en veux à Billy Binze. Billy Binze a organisé un dialogue en février 2023 avant les élections. Là on a dit on vote maintenant le président et le député et le sénateur. Tout le monde s'est fâché. Maintenant on oublie ça, on dit c'est lui qui est bien parce qu'il parle des erreurs. Un enfant apprend à marcher, le CTRI, il titube, il tombe. On maudit cet enfant que tu ne vas plus jamais marcher.
Alors, nous disons à M. Bilibinze, donnez-nous le montant du dialogue de février. Et où est le dossier des Gabonais que vous devez déloger ici? Là, là, la pluie arrive. Ça quitte là-bas, ça va venir ici. Voici le vrai sujet. Mais s'il y a mort d'homme ici, on fait quoi? On va liker, on va encore faire le buzz dans les réseaux sociaux. Il faut donc que les militaires au pouvoir règlent rapidement ce problème au milieu d'autres urgences qu'il y a sur la table. Ok? Merci. Et à bon entendeur, salut, tâche, on poursuit la visite.